Urk. Je suis terré dans la barre. J'arrive tout de suite. T'as entendu les coups de feu? Ça venait de chez Elliot. Faut aller voir ça. Joli chat. Je savais qu'il y avait un labo dans le coin, mais je l'imaginais pas ici.
On aurait dû écouter Ellie et s'enfuir quand on le pouvait. Et encore. Maintenant, je suis toute seule. Mes amis méritaient pas ça. Personne ne mérite. On aurait dû écouter Ellie et s'enfuir quand on le pouvait encore. Maintenant, je suis toute seule. Mes amis méritaient pas ça. Personne ne mérite ça. Sucrate a eu droit au supplice du fauteuil. C'est pas dit qu'il s'en sorte. De toute façon, Sucrate est bien. C'est le petit chacha. Vous êtes con comme un savon, pas vrai? Tous ces survivalistes qui se font pour des dieux. Moi aussi, je me débrouille toute seule. Je passe pas mes journées à me toucher la nouille. Vous êtes con comme un savon, pas vrai? Je vous ai dit d'approcher. Vous êtes sur les listes électorales? Bah, oubliez ça. J'ai besoin d'un autre genre de coup de main. Je vais aller droit au but. Vous voyez la déception sur pattes qui est en train de prier là-bas? C'est mon fils, Herc Junior. Il est con comme une moule. Faut dire qu'il tient de sa mère. Cette espèce de crétin a paumé mon pick-up de campagne. Nancy. Il porte le nom de la meilleure première dame que ce pays ait jamais eu, bien sûr. Si ces putains de gauchos fans d'Obama découvrent que je sais pas protéger ce qui est à moi, je peux dire adieu au Sénat. Vu que je vous ai pas tué, alors vous êtes chez moi, même si c'est mon droit en tant qu'Américain propriétaire d'une arme. Vous avez une dette envers moi. Aidez ce débile à récupérer mon pick-up, que je puisse me consacrer à ma campagne. Junior, il y a quelqu'un qui vient t'aider. Essaie de pas merder. Joli ça. Attention, Edrelman n'aime pas les surprises.
Ils ont le sursaut facile. Oh non, mais désolé, je veux juste être sûr que tu sais que je t'insulte pas parce que t'es du genre femelle, hein. J'appelle tous mes potos, mon pote, frangin, mec, tu sais, une muqueuse vaginale ou un membre phallien. Wow, j'ai un flashback, mec. Est-ce qu'on se connaît? Oh putain, mec, mes prières ont été entendues. Je suis en ligne directe avec le gentil petit dieu des singes qui se gratte le cul au paradis. Bon, puisque t'es un ange envoyé sur Terre pour le roi des singes, bah, ça veut dire que tu sais déjà que je dois récupérer le pick-up de mon daron. Parce que bon, il l'a mauvaise. Hein. Mais si on lui rapporte, il me laissera dormir dans mon lit. Et je peux te dire un truc, c'est que ça caille drôlement dehors. Sans compter les tics qui grimpent dans mon froc et qui risquent de me filer la maladie de l'âme et tout ça. Donc, tu pourrais m'aider à récupérer le pick-up de mon père? Faut qu'on se grouille avant que le vieux se mette à tirer. Il est chaud comme la braise ces temps-ci. Sa candidature au Sénat le stresse vachement. Ouais, il est pas taillé pour ses conneries. Tu sais à quel point il bosse? Il trouve même plus le temps d'aller aux chiottes. T'as bonne mine, mec. Oh bordel, j'ai passé toute la journée à prier, je te jure. J'ai demandé au roi des singes, au petit Jésus et même au bébé volant de la Saint-Valentin qui m'envoie un signe. Et c'est toi qu'ils ont envoyé. Je vais te dire un truc, ça va pas être simple de récupérer ce pick-up. C'est la secte qui l'a en fait. Je vais être honnête avec toi, ça a commencé quand j'ai voulu les rejoindre. Je sais pas si ça me paraissait être une bonne idée au début. Franchement, ils avaient des tas de flingues, de la bouffe, et des petits culs bien moulés. Et ça, c'est les trois mamelles de ma région. Je sais pas, on aurait dit une giga fiesta, t'es pas d'accord? Alors j'ai dit, salut les amigos, où est-ce qu'on signe? Alors ils m'ont montré où signer. Et là, ils m'ont fait la liste de toutes leurs putains de règles. Pas de fornication, ça veut dire pas de pèse, pas d'alcool, pas de grosse fiesta, que dalle. Alors merci, mais non, merci. Alors je suis parti comme si j'avais du piment au cul, tu vois. Et, manque de peau, j'ai oublié le pick-up du daron. Il est vachement remonté depuis, alors faut que je reprenne sa caisse. Mais surtout, faut pas que tu t'en fasses, hein. J'ai un plan en 9 étapes pour le récupérer. Étape 1, passer une journée à se purger. Bon, ça c'est fait, j'ai pris l'avance. Étape 2, prier pour que quelqu'un gère mon problème à ma place. Ça, c'est fait aussi. Étape 3... Oh merde, j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça finira bien par me revenir. Oh merde, t'as du talent pour écouter, tu sais. Mon vieux, il m'écoute pas du tout. C'est pour ça que je me sens compris, quoi. On s'entend plus trop, lui et moi, ces temps-ci. Depuis qu'il s'est lancé dans sa campagne, il me tombe sur la gueule à la moindre occasion. Il dit que je suis un pocheron, que je sais pas gérer mes armes. Ce genre de truc, quoi. Mais si on reprend son pick-up au cinquième, il sera vachement impressionné, obligé. Il va m'adorer comme jamais. Et ensuite, ma mère devra m'aimer plus que ça pour pouvoir m'adorer autant que lui m'adorera. Et ensuite, il verra à quel point elle-même. Et il essaiera de m'aimer encore plus. Et là, pour les anniversaires et Noël, ils vont faire chauffer la carte bleue. Bon, ok, on y est. Je change de place. Je bouge. C'est clair, putain, je vais leur déplacer cette queue façon Wendy.
Si tu fais le boulot comme il faut, peut-être un truc sympa que j'ai préparé. L'Amérique, c'était un... Sans Jacob, je sais pas où je serais aujourd'hui. Sûrement à tuer des trucs, mais pas des cinglés. Ok, on passe à l'étape 4. Bon, le pick-up est tout là-bas en bas, et je te parie qu'on va tomber sur d'autres tarés. Je vois mieux que la tyrolienne. On va débouler là-dedans avec ça et se faufiler comme des ninjas. Putain, trou de la balle! Oh, oh merde, ouais, on a dit comme des ninjas, trou de la balle! Je m'éclate comme un dingue! Je conviens revenir plus tard pour refaire ça complètement à poil! Oh, j'ai les doigts de ton vent! Jérôligo! Jacob fait suivre un entraînement à ses troupes, mais c'est pas grave. Je vais tous me les faire. Oh putain, je voudrais pas trop m'avancer, mais je sais déjà qu'on va devenir amis pour la vie, toi et moi. Genre à se faire tatouer nos initiales respectives. Oh merde, c'est le destin qui nous a... Oh putain, je voudrais pas trop m'avancer, mais je sais déjà qu'on va devenir amis pour... Que Pépé, je serais trop mignonne sur un arbre à chat. C'est le même bruit que tout à l'heure. Tu ne franchiras jamais les portes de l'Éden.
on se bouge avant que d'autres se pointent. À plus, les débiles. En avant tout. S'il reste pas de quoi faire le ménage dans la glacière. Et puis, dis-moi une bidouille, s'il te plaît. Qu'elle soit en un seul morceau. Ok, officier, vous avez tenu parole. Vous savez, j'ai pas mal réfléchi pendant votre absence. Cette histoire de Sénat, c'est trop pour moi tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger ma campagne. Et je vous sens tout à fait capable de coller mon cul à Washington. Votre première mission, ce sera d'amener Junior avec vous pour plus que j'ai à l'entendre prier comme un con à son roi des singes. Et la deuxième... j'ai pas encore trouvé, hein. Mais... je vous tiens au courant. Ah, mais voilà mon nouveau directeur de campagne. Si ça ne tenait qu'à moi, on t'aurait déjà tué il y a longtemps. Mais Joseph a d'autres idées. Ah, mais voilà mon nouveau directeur de campagne. Ne t'en fais pas, mes chasseurs vont t'amener jusqu'à lui. Une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, un Américain moyen. Y'a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo, blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venues me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors je me suis dit que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bah, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire, si vous voyez ce que je veux dire. De toute évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. Vous confirmez que c'est toujours illégal. Mais si jamais les cinglés étaient moins nombreux, suite à... Thank you.
L'un de vous sera fort. Arrêtez. Dégage de là, mon grand. Seul à être testé. Tu savais que j'avais été marié. Elle est belle, n'est-ce pas? Nous attendions notre premier enfant. Nous n'étions pas bien vieux nous-mêmes. Et j'étais terrifié. J'allais devenir père. Nous n'avions pas d'argent. Elle ne s'en faisait pas. Elle pensait au fond d'elle que tout irait bien. Elle a toujours eu la foi. Et puis un jour, elle est partie pour voir une amie. Elle a eu un accident. Et Dieu prend. On m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Et on m'a mis dans une salle avec cette petite chose toute rose, pleine de tubes. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je reste fort. Parce que ma petite fille allait s'en sortir. Dieu allait veiller sur notre enfant. Et ils m'ont laissé là, seul dans une pièce avec elle. Je l'ai fixée. Ma petite fille. Sans défense, si innocente. Et tout ce qu'elle avait au monde, c'était moi. Un minable venu de nulle part, sans le moindre sou. Et à cet instant, j'ai su que Dieu était en train de me tester. Il m'indiquait la marche à suivre et j'avais simplement à choisir. Alors j'ai posé ma main sur sa tête minuscule. Et je me suis penché, je pouvais la sentir. Et nous avons prié ensemble. Prié pour être sage. Prié pour être fort. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu avait un projet pour moi. J'ai avancé les doigts pour les placer sur le tube en plastique relié à son visage angélique et je l'ai serré. Elle a donné des coups de pied encore et encore. Et puis plus rien. Le calme. La libération. Dieu nous donne et Dieu nous reprend. Douleur, sacrifice. Tout ça fait partie de son épreuve. À nous de prouver que nous pouvons le servir, quoi qu'il exige de nous. Tu as bien travaillé. Tu n'es pas un héros!
ton rôle. C'est Ellie. Je viens juste de nouvelles. On vous voit plus en ce moment. Et les Whitetails cracheraient pas sur un coup de main. Passez au Wolfsden à l'occasion.
Thank you.
C'était un jeu d'enfant. C'est vraiment une journée de merde. Si tu me laisses... Merci, officier. On était plus nombreux que ça. La secte a emmené les autres au Devil's Drop. On dirait qu'on a un petit problème. Les deux derniers combats de grâce n'ont pas atteint leur destination. Je parie que c'est un coup d'Eli et de ses foutus Whitetails. Tu sais quoi? Installe un poste de contrôle dans le tunnel. On voit combien de pêcheurs ont pu fermer. Ne laisse pas plus ma vie défiler devant mes yeux. Sauvez nos gars au Devil's Drop. Par pitié. Fais gaffe, jamais je pourrai assez te remercier. Ils retiennent deux Whitetails au tunnel Hawkeye. Merde. Ça veut dire qu'ils vont nous balancer du Devil's Drop. Des nôtres au Devil's Drop.
Jack crache pas notre position, ils seront balancés du haut de la falaise. Maniez-vous, officier. Devilsdrop est au sud de votre position. Les loups se portent bien. Comme quoi, la réintroduction. J'ai vu des tarés passer avec d'énormes tonneaux de produits chimiques en direction du Egg Joe Lodge. Ils vont sans doute s'en servir pour créer de nouveaux juges. Il faut les en empêcher à tout prix. Thank you.
course. Il t'apaisera dans son amour pour toi. Je me déplace. Merde, tu plaisantes pas. Tout le monde est sain et sauf. C'est comme ça chez les White Days. Le fait que vous nous ayez aidés à sauver les nôtres va remonter le moral des troupes. Peut-être même que ça incitera des gens à nous rejoindre. Je savais que Tammy se plantait à votre sujet. Félicitations. Vous êtes des nôtres. Si vous avez le temps, j'ai une autre mission. Venez me voir au Wolf's Den quand vous pourrez. Reviens-moi si tu trouves un truc. On sait. Ces juges sont des saloperies s'ils sentent que ta peur ils t'arrachent les tripes. J'ai du boulot pour vous.
Vous souvenez de l'hôtel Grandview? Le trou à rats dont on a réussi à vous sortir? Faudrait y retourner. Jacob a chopé un whitetail. J'adorais chasser avant que les fanatiques débarquent. C'est parti! Alors, où j'en étais? J'ai du boulot pour vous. Vous vous souvenez de l'hôtel Grandview? Le trou à rats dont on a réussi à vous sortir? Faudrait y retourner. Jacob a chopé un whitetail qui s'appelle Briggs. Et il utilise les mêmes saloperies sur lui que sur vous. Tout ça dans l'espoir que Briggs crache la position du Wolf's Den. Je pense pas que notre gars puisse tenir aussi longtemps que vous. S'il lui dit où nous trouver, on est mort. Va falloir agir très vite. Certains ici pensent que ce serait plus simple de buter Briggs. Si on se met à tuer les nôtres pour sauver notre peau, on vaut pas mieux que Jacob. Pas question de tomber si bas. Voilà ce que je vous propose de faire. Outil a préparé un petit package de déprogrammation, le même qu'on a utilisé sur vous. Il faudrait que vous remplaciez la bande qui diffuse dans la pièce où est Briggs par celle que je vais vous donner. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Si tout va bien, notre gars retrouvera ses esprits. Et sinon, on improvisera le moment venu. Ils les coursent comme des élans en rute. Je
meilleure façon de prendre soin de ses affaires, c'est d'en avoir aucune. Ton temps est compté, pauvre conne! Reviens-moi si tu trouves un truc. L'Amérique, c'était un grand pays, mais c'est fini ce temps-là. Si on n'en a pas la preuve sous le nez, je sais pas ce qu'il te faut. On a maîtrisé grave. Bonne cache.
ne serait pas capable de se servir d'un arc. Les boules au taré qu'on ait repris cet endroit. Comment c'est pas, mon pote? Joli, c'est le couloir domestique de ma belle. Je me demande s'ils vont se rendre compte un jour qu'on a repris cet endroit. Je sais pas comment t'as pu abattre Face, officier. Il paraît que des fermiers ont été brûlés vifs à la Sunrise Farm. Je croyais que les tarés avaient déjà confisqué les lieux, donc je sais pas si c'est vrai. Mais peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Il va vraiment sauver la mise. Salut, mec. Plus jamais à payer pour moi.
surveille la route. Je m'occupe du reste. Je sais que c'est dingue, mais si tout ça n'était pas arrivé, j'aurais jamais trouvé ma vocation. Mike frimait avec sa grosse bagnole. Maintenant qu'il est mort, j'ai qu'une envie, c'est la sortir de Sunrise Threshing pour écraser tous les fanatiques que je trouverai. Thank you.
lui servir. Jamais je reprendrai de John a une petite armée pour surveiller son ranch et la piste. Ce serait une grande victoire pour la résistance si on retournait ses joujoux contre lui. Je me sens vide maintenant, son face. Mais c'est pas pour me déplaire. Salut mec.